Bonjour. Vous êtes confortablement installé dans une assise ferme et aisée. Le bassin est bien ancré et vous êtes suffisamment confortable pour ne pas avoir envie de bouger pendant toute la séance. Nous allons voir ensemble la respiration yogique, appelée également la double vague vers le haut. Cela implique que nous allons inspirer du bas de l'abdomen tout le long de la colonne jusqu'en haut au niveau des clavicules et nous expirons également du bas de l'abdomen jusqu'aux clavicules. Vous allez commencer à poser vos mains sur votre ventre. Et nous allons commencer par inspirer et expirer par le ventre. À l'inspire, sentez vos mains être repoussées par votre ventre. À l'expire, sentez votre ventre rentrer. Faites-le plusieurs fois. Bien. Maintenant, montez vos mains en dessous de votre poitrine, de part et d'autre de vos côtes. Et nous allons cette fois respirer à ce niveau-là, au niveau du diaphragme. À l'inspire, sentez vos côtes soulever vos mains. À l'expire, sentez vos côtes, votre cage thoracique se fermer. Inspire, ma cage s'ouvre, l'expire, allez-y plusieurs fois. Bien. Maintenant, venez placer vos mains au-dessus de votre poitrine, sous les clavicules, en haut de votre cage thoracique. Et nous allons reproduire le même exercice, uniquement en respirant donc vers le haut de la cage. À l'inspire, sentez votre cage s'ouvrir vers le haut. Le mouvement subtil des clavicules. À l'expire, le haut de la cage se ferme. Allez-y plusieurs fois. Bien. Maintenant, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, idéalement la paume des mains dirigée vers le ciel. Et nous allons respirer en trois temps.
dans l'inspiration, un premier temps soulèvera votre ventre, un deuxième temps d'inspire sera au niveau de votre diaphragme, et le troisième temps d'inspire sera pour le haut de votre cage thoracique. Et lorsque nous expirerons, nous commencerons par rentrer le ventre, deuxième temps d'expiration pour rentrer le diaphragme, troisième temps d'inspiration pour fermer le haut de la cage thoracique. Je répète, à l'inspire, un temps, le ventre, deuxième temps, au niveau du diaphragme, troisième temps, le haut de la colonne vertébrale. On expire, premier temps, le ventre s'absorbe. Deuxième temps, au niveau du diaphragme. Troisième temps, le haut de la cage se ferme. On a donc un temps de pause minime entre chaque temps d'inspire et temps d'expire. Allez-y, inspire. Expire. Continuez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore inspire, ventre, diaphragme, haut de la colonne. Expire, ventre, diaphragme, haut de la colonne. Relâchez. Maintenant, il va s'agir d'inspirer, non pas en trois temps, mais sur une belle et longue inspire. Vous allez visualiser dans vos inspirations une bouteille qui se remplit d'eau. C'est votre colonne vertébrale qui se remplit d'air. Vous allez visualiser ce souffle du bas de l'abdomen gonflant votre ventre et remontant graduellement jusqu'à vos clavicules. Nous marquerons un léger temps d'arrêt avant d'expirer en commençant par le bas de l'abdomen qui se rentre, le diaphragme et le haut de la colonne. Et à nouveau. Pour l'expiration, vous pouvez penser à un tube de dentifrice que l'on vide du bas vers le haut. Allez-y. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
expirez et relâchez. Vous aurez sans doute remarqué que dans l'inspiration, sur la fin de l'inspiration, quand vous en êtes à grandir le haut de votre cage thoracique au niveau de vos clavicules, le ventre s'absorbe quelque peu. De la même manière qu'à la fin de l'expiration, lorsque vous refermez votre cage thoracique, le haut, votre ventre se détend. Laissez-le faire ainsi. À la fin de l'inspiration, lorsque le ventre s'absorbe un peu, il vous invite à l'expiration et au démarrage en absorbant le ventre. De la même manière qu'à la fin de l'expiration, lorsque vous en êtes à fermer le haut de votre colonne vertébrale, de votre cage thoracique, le ventre se détend un peu, initiant et invitant la prochaine inspire. Visualisez cette vague, qu'elle soit de plus en plus harmonieuse. Nous allons faire un exercice sur 5 minutes. Vos inspirations dureront 6 secondes, vos expirations dureront également 6 secondes. Essayez de minimiser le temps d'arrêt entre vos inspires et vos expires. Et portez votre attention sur la qualité de vos vagues respiratoires. Il n'y a rien à rater. Restez concentré. Plus vous parviendrez à un mouvement agréable et harmonieux, plus vous pourrez par la suite utiliser cette respiration dans tous vos pranayamas, afin de pouvoir étendre votre souffle d'autant plus. Vous êtes donc fermement et confortablement assis, sans l'envie de bouger. Votre bassin est bien ancré, votre colonne est droite mais non rigide. Le menton est quelque peu rentré vers l'intérieur. Les traits du visage sont détendus. Nous allons commencer par une inspiration. Le son d'un bâton se fera entendre pour vous avertir de passer à l'expiration et ainsi de suite. C'est parti.
revenez à une respiration sans contrôle et observez. Restez encore quelques instants dans ce calme. La séance est terminée. Je vous remercie.